Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, pour l'instant, on m'entend. Ok. Alors, excusez-moi, j'étais sur autre chose. Eh ben allez, on va regarder ce qu'on peut faire. Voyons voir, j'avais dit quoi? J'avais dit que je ferais les mottes de fou, les meules de foin et puis les rondins brûlés là. J'avais des petites idées. Utiliser des petits véhicules sympas. Je crois qu'il en faut 6, c'est dans lequel déjà? Non, c'est une tâche. Non, c'est un contrat. Non. Une autre chose. Soin préventif, ouais, d'accord. C'est celui-là. Bon, on va commencer par ça. Tranquillou. On va sortir du véhicule qui vont bien. Le temps que les gens arrivent. Alors. Voilà. Le bestiau. Ah ouais, du coup, il y a additionnel paint job qui passe. Les couleurs officielles, c'est ça. Ouais, si, c'est ça. Ouais, allez, en jaune. Hop. Ah merde. Je m'étais dit que je mettrais ça. Peur d'avoir un petit peu d'essence au cas où. Salut Paco. Voilà. Un petit peu d'essence si nécessaire. Un petit peu de répa. Des roues de secours de la bonne taille. C'est essentiel. On va prendre ça. Et puis il me faut un K700. Alors, je dois en avoir deux ou trois, ça se trouve. K700. D'accord. Pas nécessaire, ouais. MSH2, ouais. Attends, il avait ça, lui? Ça me dit quelque chose au niveau de la forme, mais c'est parce que j'ai pas le véhicule de la bonne couleur que ça me choque? Ouais, peut-être. Peut-être. Sur le coup, je me rappelais plus qu'il y avait ça. Bon, on va revendre ça, c'est pas nécessaire. Ça doit être ça sa couleur normalement. Qu'est-ce qu'il a déjà? Ouais, il est avec des couleurs de merde, je crois, lui. Hein. Je crois qu'on va le remettre façon Mudrunner. Hein. Normalement, ça doit être ça. Alors, hop. Est-ce qu'on se le met sur un petit camion pour faire joli? Bof. Oh, allez, peut-être pas. On va faire juste un petit aller-retour avec ça. Allez, viens. On va aller se faire une petite mission tranquille d'abord. Un petit peu de roleplay.
Salut Optimus, salut Angelwing, salut Silica, salut Van Helsing. Quoi, PS, merci Tonus pour le lien pour les mods. Ah d'accord, c'était toi, ok. Ouais, alors je vous conseille de vous déconnecter hein, de l'ancien site mod.io. Il y a Old dans le titre. Et de vous connecter sur le nouveau, même s'il est à chier, je le trouve pas beau, pas pratique. Alors, il y a des filtres en plus, mais j'aime pas tellement. D'ailleurs, du coup, j'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo sur les meilleurs mods. Faudra que je vous fasse ça peut-être ce soir, on verra. La mission détection flottante. Oula. M'a rendu un grand service pour le passage derrière pour attraper pièces de forage. Car j'ai galéré, heureusement qu'il y avait la vidéo. Ah bon? Détection flottante, je ne sais plus ce que c'était. Ah, c'était pour les pièces qui étaient dans la flotte, là, au niveau de la chute d'eau, peut-être. Par contre, toi, tu me saoules un peu. Ah, mais ouais, mais il me saoule à me rentrer dedans, l'autre aussi, là, je voulais m'éloigner. Il va trop vite par rapport à moi. Attends, tu vas pas déjà me faire des coupures de son? J'ai pas bronché d'un millimètre, quoi. Sérieux, là, c'est quoi ce délire? Comment on peut avoir... Putain, ça me saoule, ça, hein. Ouais, c'était ça, c'était avec la chute d'eau, là, ouais, c'était pas évident. Enfin, c'était pas évident. Voilà, fallait se placer et tout, fallait trouver la petite route. Le son est parfait, je sais pas, j'ai entendu une coupure. Salut Berserkir. Salut Star Pilot. J'ai entendu une coupure à un moment, je m'entendais plus dans le retour. J'ai l'impression que ça drift un peu derrière. What the fuck? Non mais sérieux, il y a un bug dans le terrain, là, ici. J'arrive à me foutre 52 dans la suspension avec un tracteur sur une route, quoi. Il y a un moment... Va vraiment falloir arrêter les conneries. Salut, Nel. C'est quoi comme camion devant? C'est le K700. K700 et derrière K7M. Les deux véhicules de la phase 8. Enfin, deux des trois véhicules de la phase 8. Il reste le Pike. J'aurais presque pu prendre la K700 de RSK, tiens. J'aurais pu. J'aurais pu faire ça. Salut DBZ. C'est le module pour les troncs. Alors non, il n'y a pas de module pour les troncs, c'est le module pour les meules de foin. C'est pas du tout pensé pour les troncs. C'est plus court que celui de Mudrunner qui était pour les troncs. Et du coup, le développeur a dit non, non, c'est pas pour les troncs, c'est pour les meules de foin. C'est beaucoup trop bas pour les troncs. Il y a des camions, tu peux absolument pas les charger, c'est une catastrophe. J'avais fait des tests dans la phase 8, c'était n'importe quoi. Avec, ça fait longtemps, tu l'as pas utilisé, si. Je l'ai utilisé au début de la phase 9, là. Ça fait un petit moment que je l'ai pas repris, de toute façon après je faisais pas trop de livraison de matériel. J'ai fait pas mal de conneries avec la 8 places, donc j'ai pas eu l'occasion. Mais on va prévoir ça. On va prévoir ça. Bon. J'espère que ça se passe bien aujourd'hui. Ah, hier ça a été quand même. Dommage que le module Tatraforce est merdé sur un ou deux trucs, mais...
C'est plutôt pas mal passé. J'ai bien aimé, moi, le module. Fonctionne pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont retesté, du coup? Il y en a qui avaient dit qu'ils réessayeraient. Oui, qu'il passait plutôt pas mal. Dommage, avec le scout 800, c'est pas assez large. Enfin, le véhicule est pas assez large. Et le Loadstar... D'accord. Le Loadstar, il passait à travers. Tu comprends pas pourquoi, c'est dommage. Voilà, puis on va changer la météo de l'autre côté. Hop là. Bon, pour les intéressés, le Land Rover Defender chez Lego, le nouveau, vient d'être dévoilé. Toujours aucune news sur SnowRunner. J'ai bien aimé le coup des rochers enduits aux plantes à fin. Ah bah ça fait longtemps ça. Depuis le premier défi du mode défi. Ou alors là, c'est vraiment le plante à fin de chez plante à fin. Salut Chevy. Bah écoute, ça peut aller toi. Oula. Allez, allume ton moteur, je vais pas te tracter, hein. Je me rappelais plus que le camion international Pestar 5600 avait un module d'essence de 2800 litres sur son dos. Si, il a une 3 places, lui. Il a une 3 places, donc niveau essence, il a plus. Mais c'est bizarre, c'est qu'il me semble pas que le 73-210, il a un petit peu moins long, mais il a quand même de quoi prendre plus et il n'a pas eu droit à ce genre de choses. Je crois qu'il y a le P12 qui a module de maintenance qui est plus gros. Il a le grand module de maintenance, je crois. Et du coup, il a un peu plus d'essence dedans. La couleur avec la bouffe est couleur rouille. Le mien, tu veux dire? Ouais, il est. Après, c'est le jaune qui est un peu dans Mudrunner. Enfin, quoi que celui-là, je suis pas sûr, vu que c'est Additional Paint Job qui a peut-être modifié un petit peu la couleur. Parce que Additional Paint Job, du coup, maintenant, il te met toutes les couleurs ensemble, mais il te sépare même plus. Forcément, du coup, il te sépare même plus les couleurs du jeu des couleurs de son mode. Donc, je sais plus. J'ai la bonne couleur là. Bon, je m'attendais à un poil plus rapide. J'ai pas joué à Mudrunner. Vous devriez, franchement, les gars. Trouvez-vous Mudrunner pas cher? Vous pouvez le trouver à mon avis à 5 balles en édition complète de temps en temps en promo. Franchement, il vaut vraiment le coup. Il est sur tous les supports, sur Switch, PC, Xbox, tout. Et je trouve qu'il vaut franchement le coup. C'est sûr que ça sera moins. Bah, je sais même pas, j'allais dire, ça sera peut-être moins un coup de cœur, un truc où vous allez vous attacher dessus, mais en fait, les sensations sont tellement bonnes que du coup, t'as envie de continuer quoi. Alors ça sera répétitif, c'est peut-être mieux de pas trop enchaîner toutes les cartes, mais il est tellement bien ce jeu. Moi je vais l'acheter, mais il est à 20 € chez Micromania. Bon, t'achètes pas ça chez Micromania.
Salut Mustang. Oh, tu vas pas chez Micromania pour acheter Mudrunner qui vont te revendre 3-4 fois le prix. Et quand même l'acheter à Micromania, bah écoute, tu fais comme tu veux, mais moi je l'avais eu en promo sur Switch et sur Xbox d'ailleurs, sur les deux je crois. Je l'avais eu pour pas cher et franchement c'est quand même bien de l'avoir le moins cher possible. Bon après, c'est sûr que si vous voulez la version physique, là, bon, Amazon fera sûrement mieux que Micromania, mais c'est vous qui voyez. D'ailleurs, je devais acheter Police Simulator aujourd'hui et à Leclerc, il l'avait pas. Bon, après, j'ai pas demandé à l'accueil, j'aurais peut-être dû, je me suis dit, tant pis, je le prendrai à Amazon. Ils l'ont au même prix. Je me suis pas mal promené à l'espace culturel, il y avait plein de belles choses à voir, des figurines, des Switch, des manettes Switch, des accessoires jeux vidéo et tout, c'était assez cool, ça m'a occupé un peu. C'est le plus proche de Micromania, j'imagine. C'est tellement un super jeu. Ah non mais ouais, Mudrunner. Incroyable Mudrunner. Tu y passeras beaucoup moins d'heures, c'est sûr. Mais tu vas t'en souvenir et. Et tu vas te demander pourquoi SnowRunner a pas suivi les traces. Hein. Tu veux bien aller à gauche? Ah. Bon. Ah, les bottes de paille sont là. Bon bah. Je vais te garer comme il faut. Et hop, on pète les barrières de toute façon. Allez, c'est parti. Mode roleplay. Mudrunner et Happenwall comme Snow. Alors pas du tout, t'as plusieurs petites cartes en fait qui sont totalement séparées. Elles sont totalement indépendantes. Tu peux pas y revenir. Enfin, tu peux y revenir, en fait, tu peux recommencer les cartes autant de fois que tu veux. En fait, c'est vraiment comme si c'était des parties séparées, quoi. Et du coup, tu vas pouvoir prendre un ou deux autres véhicules avec, mais bah ça sera du coup des scouts.
Il n'y a pas de téléchargement. Que ça merde toujours. Putain, si je redémarre, ça va me faire chier. Il met quand même que je suis en excellent. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Pourquoi je suis en excellent si ça marche pas, quoi? Oh, ce truc. Oh là là. Waouh. Ça marche pas hyper bien. Ah ouais, mais je cherche à comprendre. Merci. Ah la vache. Ouais. Bah oui, je suis toujours en fourche rapide, c'est quoi ce délire? D'accord, c'est l'autre. Oh, surtout, n'affichez pas la légende à droite. Hein. N'affichez surtout pas la légende. Vraiment, c'est très important. Le live ne crache plus, mon décodeur fonctionne de nouveau. Ouais, je suis pas sûr, moi. Hein. Ça va pas l'air optimal. Hein. Je vais être obligé de les serrer pour pouvoir mettre les deux dernières. Je tape dans les poteaux alors que ça devrait passer entre. Bah ouais, mais ça devrait passer entre, les gars. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? On est des baltringues. Hein. Bon, du coup, je vais devoir faire un aller-retour parce que j'ai pas pris la 6 places, j'ai pris la 4. Ah, ça fait chier, ces rangements de remorques. Pourquoi ils se mettent pas dans l'ordre? Je sais pas comment ça fonctionne, les modes au niveau des remorques. Pas hyper optimal, je trouve la pince, elle est curieuse. Quand il y a un truc rond, ça devrait pas gêner, mais voilà, ça va être juste hein, pour mettre la dernière là. Et avec les poteaux là, c'est pareil, je suis pas assez haut. Hein. Je suis pas assez haut. Ah ouais, mais je suis pas assez haut et puis surtout il y a un bug. Il y a un bug de collision. Ouais. Bah, je m'attendais à ce que ça marche bien. Ouais, j'avais oublié que c'était de la merde. Hein. Ouais, qu'est-ce que je te dise, moi? J'y mets dedans, hein. J'y mets dedans, mais c'est de la merde. Là, franchement, je suis. Ouais. Entre la remorque et le K700, là, j'ai fait un bon choix. Hein. J'ai une image figée avec un K700 à pince. Putain. Bon, on va relancer le live. Voilà, c'est bon, on va peut-être réussir à y arriver. Ouais, bah oui. Et tu penses. Ah, ça y est, mon PC écran noir. Ça y est, je suis vraiment aidé par la technique, hein. Putain. Voilà, merci, c'est bien. Ah, ça fait plaisir quand ça commence déjà à bien se passer comme ça au bout de 20 minutes, ça me met déjà dans l'ambiance. Eh bien, ça me met déjà de bonne humeur. C'est impeccable.
J'essaie déjà de faire un truc propre, j'y arrive pas parce que... Parce que ce jeu est codé avec le cul. Ouais, ouais. Voilà, merci. Je comprends pas, avant, les prendre comme ça, j'étais pilote de la NASA. Là, maintenant, il n'y a plus moyen, je comprends pas bien. Oui, vas-y, roule, t'as raison. Tu t'arrêtes, c'est bon? J'arrivais super bien, je comprends pas pourquoi, et maintenant, pas moyen. J'ai l'impression que la pince est devenue encore plus à chier qu'elle l'était déjà, ce qui est un exploit, mais bon, on est dans SnowRunner, hein, après tout. Il y a toujours un espoir, hein, avec Snow. Ouais. Eh ouais, bah oui, j'ai vu que tu la tenais pas. Mais j'ai vu que tu la tenais pas. Tu crois quoi? Tu crois que tu vas me la faire? J'ai vu que tu la tenais pas. Évidemment que je l'ai vu. J'ai vu que tu l'avais pas. Putain. Tout ça parce que votre pince, elle est trop basse. Elle est trop basse. C'est pas compliqué à comprendre. C'est pas compliqué à comprendre. On charge des camions, pas des Twingo, les gars. C'est pas compliqué à voir, hein. Déjà, rien que le fonctionnement de la pince, tu le vois que le camion, en fait, ce qu'il fait, c'est plus tu l'appuies longtemps, plus il va charger longtemps. Alors que normalement, ça marche pas comme ça. Normalement, au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais non, lui, il continue de charger à l'infini. Il continue de serrer, il continue de descendre et tout. Et 20 minutes après, tu sais toujours pas où t'en es. Et puis alors là... Là, t'iras toujours... Il ira toujours faire un truc, ça va être dégueulasse, c'est tout ce que ça va être. Ouais. Là, je suis en train d'ouvrir depuis 2 minutes. Hein. C'est vraiment pas optimal. J'ai l'impression que mon live bug de chez bug encore, mais... pas ce qu'il me fout. Hein. Le seul module que je n'ai pas utilisé, les pinces me fatiguent rien que de les voir. Ouais, non, mais elle est trop petite, elle est trop basse, elle descend pas assez, elle descend trop. Il n'y a rien qui va sur ce truc. Je sais pas s'ils l'ont essayé, mais... il n'y a vraiment rien qui va. Hein. Vaut mieux utiliser le TH357, c'est peut-être ce que je vais faire pour le deuxième voyage, ça va beaucoup mieux. Là, je... je supporte pas non plus. Je suis pas fan non plus de ce que j'ai choisi là. Le live est offline. Ouais, sauf que je suis revenu depuis Wisebot. Hein. J'ai un souci avec Tolang, j'arrive à voir d'autres lives, mais pas celui-là. Bah écoute, oui, t'as un problème, oui. Parce que je peux pas faire quoi que ce soit. Autant t'as actualisé, j'espère. Mais ça marchait très bien. Hein. Bah ça marchait très bien. Non, ça marchait pas très bien, mais depuis que c'est actualisé, normalement ça marche, quoi. Bon, ça tient, c'est déjà pas mal. Ouais, bon bah c'est pas optimal optimal. Hein. Hop. J'ai test en phase 8, bah ça s'est terminé à la grue. Ouais, franchement, la pince, elle est faite pour les meules de foin. Hein. Et elle marche pas pour les meules de foin, c'est de la merde, quoi. Donc,
Bon, bah lui, c'est toujours de la merde, hein. Je confirme, il est toujours en train de tirer tout droit. Ouais, non, mais. Excusez-moi, hein, je fais le tour de tout le champ de la ferme, mais j'aurais peut-être fait demi-tour. Hein. C'est. Une belle publicité pour Kirovets. Yo Gitsun, désolé du retard, j'avais un peu de lecture. Ah, t'inquiète, y a pas de retard. Hop. Il y a mon live qui a bugué, j'étais obligé de le relancer. Salut, rebonjour la team. Remilo. Ça a l'air mieux. Ouais, normalement ça va aller mieux, mais pour combien de temps, je sais pas. Tiens, il faut que je coupe le téléphone aussi. Je comprends pas que ça merde comme ça. Hein. Je veux dire que j'ai pas une co incroyable, ok. Mais je sais pas si c'est la nouvelle fonction pour streamer là qui merde. Je devrais presque revenir à l'application Twitch plutôt que l'application Xbox. J'ai beaucoup d'emmerdes depuis que je stream avec l'application Xbox en fait. Autant ça permet d'inclure l'audio des potes, mais si jamais tu le fais pas, je vois pas trop l'intérêt. Donc j'aurais peut-être pas dû, maintenant que j'ai déjà relancé, je vais pas relancer une nouvelle fois. Je sais déjà pas comment je vais faire pour mettre les 25 minutes là de live. Joli cette remorque à balle, c'est du RSK ça, ouais. Normalement je devais prendre la 6 places, mais. Ah mais non, je suis con, la 6 places c'est une attelage bas. Ah oui, non, j'aurais peut-être pas pu la prendre l'attelage bas. Enfin, j'aurais pas pu la prendre. Mais il me semble pas qu'il y ait de 6 places tractées, oui, non, c'est vrai. C'est une 4 places. Eh oui! C'est une 4 places. Moi, tout marche. C'est au Canada tes balles de foin. Bah, phase 9, oui, toujours. Bon, on prendra autre chose. De toute façon, là, je vais jusqu'au garage quasiment. Donc, on va se faire un autre convoi. T'as qu'à faire. On va tester avec autre chose. Parce que là. Là, ça va pas du tout. Puis, du coup, on va prendre une plus petite remorque. Je sais pas ce qu'on va prendre. On va peut-être voir s'il y a une remorque qui peut être sympa. Celle-là, elle est pas mal, je trouve, pour faire les meules de foin. Hein. Avec les rambardes et tout. C'est plutôt cool. Bon, il se conduit toujours n'importe comment, ce véhicule. Et c'est Kiki. C'est qui bosse samedi matin pour remplacer un collègue? Ah oh, putain. Ouais. C'est pour t'habituer à la retraite. Bah écoute, bon courage. Sur l'image freeze, je voyais le cassette et la pince. Je croyais que tu étais reparti à Belozersk. Ah. Ouais. Cassette 100, pas cassette M. Mais oui, ouais, je sais pas. Pourquoi ça merde comme ça? Faut que je retente de repartir avec l'appli Twitch. C'est toujours possible, je vais voir. Parce que là, il met un débit fixe un peu, c'est curieux. Il me fait un peu de la merde, donc je vais repartir, je crois, avec l'appli Twitch quand je suis tout seul. Quand je n'inclus pas d'audio, je vois pas l'intérêt. Normal, je suis un peu. Sympa de recycler des fonctions des autres phases. Ah bah oui. Bah, des fonctions des véhicules et puis des missions, mais ils pourront pas refaire ça, enfin ils pourront pas le faire sur les anciennes malheureusement. Ils pourront pas le faire sur les anciennes phases. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Oula. Bon, je lis ça plus tard. Allez, c'est parti.
Ah, pas tellement le module jaune sur le véhicule jaune. Il va rester jaune si je le mets en rouge au lieu de couleur, mais. Semaine de 6 jours, mon employeur a dit d'utiliser son 49.3 pour me convaincre. Ah, t'as tout le temps ceux qui vont te dire, mais t'as le choix, tu peux dire non. Ah oui, c'est ça, oui, t'as raison. Je sais pas si c'était amusant le 770 avec l'ébène en enrochement, mais ça aussi, ça n'a pas été repris. Ah non, non. Bah amusant, non, hein. C'est deux remorques que tu transportes, c'est tout. Hein. Il n'y avait pas de fonction spéciale, sinon tu vas réussir à te défaire du pont, tu crois, ou... Putain, vache! Entre la hitbox et le véhicule qui tourne en articulé, là... Merci. Ouais, c'était juste deux remorques, hein, le 770G. Alors, il y a un mode GGMS qui permet de l'utiliser en tant que remorque avec 4 places, c'est plutôt sympa, mais bon... Ouais, je me disais que vu qu'on retournait au Canada et qu'il y avait de l'or... On allait peut-être réutiliser cette remorque, mais non. Non, non, les développeurs ont dit non, on a trop de boulot. On a trop de boulot, on n'a déjà pas fait de mission pour reconstruire toute la Syrie là. Ah, on est débordés, les gars. Un beau petit escargot jaune avec sa maison sur le dos. Ouais. Avec des belles roues de secours bien adaptées. Ça. Là, on est dans le foutage de gueule total, mais c'est pas grave, tout va bien. Là, on est au top du top, là. Alors là, tu sens que t'as un bon gros véhicule de merde. J'ai même pas réussi à rouler droit. C'est quand même impressionnant. Waouh. Ah bah dis donc. Ça, c'est du bon tracteur. Ouais. Le putain chiant, c'était surtout le chemin avec le 770. Honnêtement, j'en ai quasiment plus de souvenirs. J'en ai plus de souvenirs. Le Yukon, j'ai pas l'impression d'avoir super aimé. Alors peut-être que c'était à cause des cabanes. Les cabanes, la construction, les allers-retours, je sais pas. Mais pourtant, je l'ai refait avec des potes, je crois. Une ou deux fois, ça se trouve. Mais... J'en ai plus tellement de souvenirs, je sais pas pourquoi. Et je me redis que finalement ça devait pas être si mal quand même. Il est sympa le KCTM pour tracter des remorques et jouer roleplay. Mais il faut vraiment l'upgrade pour qu'il commence à être intéressant. Non, même avec l'upgrade c'est de la merde, hein. Non, non. Le machin il braque pas, il tire tout droit. Non, non, c'est toujours de la merde, t'inquiète. Donc là je vais livrer chez les pompiers ou sur le parking de la police des meules de foin. Là, fallait vraiment les meules de foin, c'était nécessaire là. Aide-moi ça, comment il tire tout droit. J'étais à deux doigts de me bouffer la bouche incendie, c'est dingue. Là 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 là, les pneus n'ont aucune adhérence, c'est dingue. C'est incroyable. Avec un bon petit bloc diff des familles qui vient t'emmerder pour n'avoir absolument aucune maîtrise de ton véhicule. Ça, au moins les développeurs, là, pour te mettre le bloc diff sur cette merde en obligatoire, là, il y a du monde. Bon, allez, on va faire ça en dégueulasse parce que ça commence de m'énerver, là. 4 manœuvres, j'arrive toujours pas à me dégager, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Quelle horreur! Bah ouais, je voudrais bien, mais... Bon, bah on va dire qu'on a fait ça propre, hein. Allez, voilà. Parce que non, un véhicule qui tourne pas, là, c'est injouable.
En face des flics, du foin pour les poulets. Ah là là, ça fait un bel ensemble quand même, ouais. Ça aurait pu, si le véhicule était utile, s'il tournait à peu près bien, ça aurait été bien. Avec la pente verglacée sans chaîne, le 770, ah oui, c'est vrai. Ouais, fallait monter par là, ouais. Comme dirait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Voilà, oh, comment il penche le bidule. Ouais, vas-y, éclate-toi, je m'en fous. C'est infâme quand même la conduite du machin. Waouh, je me rappelais plus que c'était à ce point. Une traction encore plus grande. Ouais. Ouais, allez pour le fun. C'est une idée à la con, mais... Oh non, 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 vas-y, c'est bon, non, non, c'est bon. C'est bon, excusez-moi, j'ai l'impression de conduire un mode, là, un mode de cheaté, non, non. C'est bon. Non, non, c'est mort. On abandonne. On abandonne, là, non, non, là, j'ai l'impression d'avoir un mode de cheaté, c'est pas la peine. Oh, alors, est-ce que c'est horrible? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah non, je sais ce que je vais faire. 4 places? Ouais. Ouais, pencher en avant comme ça, c'est super. Ouais, bon. On va pas être très original, mais... Hop. J'ai testé la remorque de Grume avec le KCTM moteur de base, un enfer, il passe la 2 ou la 3, elle retombe direct en 1. Il suit pas le moteur de base. Je crois que je lui ai mis le deuxième, je lui ai pas mis le... J'ai pas mis le premier, mais bon, ça change pas que le véhicule tourne pas. D'accord. Plaît-il? C'est les fourches qui t'emmerdent? Il semblerait. J'arrive pas à le centrer, ça m'énerve. Merde. Tiens, tiens, ça me rappelle à mon souvenir le TH357 sur le 4 places avec le K7M pour tracter. C'est bien ce que j'avais prévu de refaire. Je voulais me refaire mon petit convoi que j'avais kiffé sur la phase 8. Puisque le K700, c'est de la merde avec sa pince. Par contre, dis donc, c'est tout noir sur le stream. Vache, quand il fait nuit, on voit plus rien sur le stream, c'est dingue.
J'ai testé un peu de véhicules pour la première mission. Récup qu'à 700 de base. Ah oui, sauf que cette remorque-là, elle va pas aimer le off-road. Oh là 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 là. C'est vraiment pour utiliser les tracteurs parce que on est sur une mission de tracteur. Mais j'en ai déjà marre. Avec le loaf ou le TH357, ça va toujours mieux qu'avec le K7M. Loaf de base, de chez base, t'arrives à sortir le K700. Ah ouais, carrément. Il doit y avoir une clé à molette dans cette petite réparation. Tu rentres dedans, t'as une clé à molette, c'est tout. Vu la quantité de pièces qu'il doit y avoir. Bon, par contre, vraiment le K7M, ouais, je suis pas en joie de l'avoir repris. Hein. Putain, quelle horreur! Quelle horreur de pas avoir rendu le véhicule un peu plus stable, sérieux. Le machin, il est pas foutu d'aller là où tu veux, quoi. Ça, c'est vraiment un calvaire. Alors, faire les champs avec. Ouah. 800 pièces comme les K700 au module le commun. Ah ouais? Tant que ça? 600. 600. Ce qui est presque déjà deux fois plus que sur les gros modules de maintenance sur les camions. Mais c'est pas grave, hein. Pas grave. Tout va bien. Alors est-ce qu'une caisse égale à 200 pièces de réparation sur le toit? Comme les devs savent plus trop compter en ce moment. Vas-y, mais. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Je prends un virage sur de la route à 20 à l'heure, quoi. Me dis pas que tu pars en tête à queue. Mais c'est incroyable, quoi. Ouais, paye ta hitbox. Plus l'aimantation, là, pas moyen de s'en sortir. Oh là là, mais quel enfer à utiliser ce véhicule. Ouais, il a 600. Je comprends mieux qu'une fois le pike réparé, il me restait plus grand-chose. Ah bah oui. Tu m'étonnes. Bah, après, 600, c'est déjà pas mal, hein. Comme je dis, hein, les modules de maintenance des camions, c'est 350, je crois. C'est ridicule, hein. À ce rythme, t'es plus riche à prendre le petit module style Actaeon 805. Ah ouais, non mais. Ouais, on se traîne avec Papy 4CDK7M là. Pouah, 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 pouah. Alors, par contre, il va falloir que je charge dans le bon sens là les modes de les meules de foin. Il va peut-être falloir que je remonte sur la remorque à chaque fois. Oh, putain, j'arrête pas de bailler, je suis fatigué. De carburant en moins, ouais.
Je m'endors avec ce KCTM-là. Prends-toi un café ou un thé ou un coca. Bah, j'ai le coca, mais j'aime pas le café. Donc, mais même avec le coca, ça a pas l'air de suffire. Je veux dire, je suis fatigué en ce moment, je dors mal. Beaucoup de choses à faire en même temps. Ouais. Quand même pas une seule nouvelle à propos de SnowRunner. Aucune réponse. Les pros, les DLC, les mises à jour, les correctifs, rien du tout. On est quelle date? Le 16, ouais. Bientôt ça fera un mois, la fin du mois du coup ça sera non seulement les 1 mois mais ça sera aussi le community update. Bon, je sais pas si on saura quelque chose à ce moment-là. Bon courage avec le tracteur, bonne soirée. A plus Sonil, merci d'être passé, bonne soirée à toi. On va essayer, ouais, on va essayer. Bon, j'utilise le tracteur là-dessus et puis c'est fini après. Hein. Les prix pour les meules de foin, j'aurais pas le courage de faire plus. Hein. J'ai à peine braqué parce que j'avais plus qu'une main. Et hop, c'est parti, ça va dans n'importe quel sens et... Ah bon sang, mais quel enfer cette merde à conduire! Aide-moi ça, ce virage! Ah là 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 là. Ils ont vraiment pas compris comment ça devait fonctionner. Petite question, American Wheel, c'est le DLC de Midrunner ou pas? Je sais plus si c'est le nom du DLC ou si c'est le jeu complet avec tous les DLC. American Wheels, je sais plus. Excusez-moi, je me mouchais. Ah merde, il faut que je baisse les rampes. Et pour les rampes, il faut le moteur. Oh, j'ai refait les rampes. Allez, c'est parti. Mais non. Peut la prendre là ou pas? Ouh. Alors. C'est génial hein, de faire des champs avec des trous de Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est hyper fun. Hein. C'est hyper fun. Hein. Le machin, il n'arrive même pas à rouler droit. Hein. Tellement il se mange des bosses, mais. C'est du motocross, quoi. Il y a un moment, faut arrêter. Il est fait pour rouler dedans. Oh là là là.
Ah ouais, non mais là... Peut-être que mes fourches sont pas bien non plus, mais... Pardon? C'est moi ou ils les ont fait plus petites les bottes de paille, elles passaient pas à travers? Il me semble pas que je mettais les petites fourches. Quoi ce délire? Passez pas à travers de la phase 8. À 20 euros sur une carte, hein, c'est que c'est le jeu. Hein. Mais le jeu plus American Wheels, du coup il s'appelle American Wheels, mais il y a tout quoi. J'ai re des bugs de son. Non, c'est parce que je bégaye, parce que là je comprends pas. Je pense que ça. A plus Optimus, bonne soirée à toi. Ça semble une extension, donc je suppose qu'il faut le jeu de base. American Wheels, oui, mais je sais plus. Je crois qu'il s'appelle Mudrunner American Wheels déjà le DLC. Il y a marre, je vais regarder, je vais te dire. American Wheels Edition. Alors, il y a un DLC Old Timer. Ça fait partie du truc. Official expansion Mudrunner American Wheels. Ouais, d'accord, c'est génial. Et tu as le jeu Mudrunner American Wheels. Ok, ouais, ils sont pas fait chier. Hein. Ils sont pas fait chier. Donc, tiens, il est à 7 euros en ce moment sur Xbox, le jeu complet. Alors, peut-être avec Gold par contre. Il est peut-être un peu plus cher si on n'a pas le Gold. 7 euros Mudrunner avec tous les DLC, je crois. Bon stream avec le TH357 et le K7M. Bah écoute, ça se passe pas bien là pour l'instant. Je prendrai pas les bottes de paille avec ça, on est d'accord, hein. Écoute, soyons fous. Soyons fous. Mais je vois pas comment ça va bien marcher. Hein. Mais là, du coup, il va falloir que je reparte avec un autre camion. Ça va me gonfler. Hein. Ça va me gonfler là, par contre. Hein. Ça semble. Et une extension et le nom du pack complet. Ouais, c'est ça. Hein. Un mécanoïde complet à 7 balles. Ouais, sur Xbox, ouais, il est à ce prix-là. Hein. Alors avec Gold, donc bon, je sais pas si t'as le Gold, probablement, hein, mais...
Il y a encore quelques temps, c'était juste Mune et American Wheels à 26 ou 30 balles. Oui, non, mais parce qu'il est en promo, hein. De base, American Wheels complet, il est à 35 euros. Le jeu plus l'extension, 35 euros. L'extension seule, elle est à 10 euros. Et le jeu à 30, visiblement. Donc tu gagnes 5 euros. Mais là, avec Gold, il est à 7 euros le truc au total. Donc tu vois, 7 euros, tu te fais un très bon jeu pour pas cher, hein. Bon, je vais mettre la journée, je vois que le stream est tout noir. Hop. Comment tu veux que je soulève des bottes de foin avec ça, moi, mais. Eh, va falloir que je revoie mes rediffs là. Hein. J'ai l'impression que ça marchait bien avant. Hein. On dirait qu'elles sont plus petites leurs bottes de foin là. N'importe quoi. J'ai bien l'impression qu'elles sont plus petites. Bah ouais, je sais pas. Ça marchait hyper bien à l'époque de la phase 8. Et là, elle passe à travers, quoi. Sans effort. Pour 7 euros, tu as une pépite. Ah ouais, non, pour 7 euros, la Mudrunner plus le DLC, ouais. J'attends que les sous aillent mieux pour prendre 3 ans de gold et convertir en ultimate. Ah, ouais. Bah écoute, moi je paye, je suis un bon pigeon, je paye ça à 13 balles par mois, le Game Pass Ultimate. Et puis voilà, je sais qu'il y a des façons de d'échanger, de bidule, machin. Voilà. Salut Scorpion. Limite, t'as envie de recharger la phase 8 pour aller voir si les bottes de foin font la même taille, quoi. Je comprends pas, ça marchait hyper bien avant, là ça marche plus. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Obligé de me taper un voyage avec un TH qui se traîne. J'aurais dû le foutre sur un camion, ça aurait été plus vite. Parce qu'autant il est pas mauvais en off-road, autant en vitesse de pointe. Waouh! Bon, au moins il se manœuvre bien, pas comme le K7M, mais waouh, qu'est-ce qu'on se traîne, hein? Gold, pas le choix, madame, je joue à Red Dead Online. Ah. Faut que je me le fasse, Red Dead 2. Faut que je l'achète. Il est souvent en promo. Mais j'ai tellement de jeux déjà à faire que racheter ça. C'est que. Salut Snow TV. C'est que quoi? Putain, les seuls trucs où j'ai envie de m'amuser, quoi, les trucs roleplay, ils les cassent, quoi. Ça me. Ça commence vraiment à me les briser et à me blaser. C'est quoi le problème avec les bottes de foin? Bah je sais pas, le TH il arrive plus à les prendre avec les fourches larges. Elles passent au travers. Donc je vais essayer avec les fourches pas larges, mais à mon avis ça va pas le faire. Ça va être très compliqué, elles sont pas assez larges. Je vois pas comment je vais faire. À voir. Faudrait que je revoie sur mes vidéos de la phase 8, sinon je vais carrément partir à la phase 8 pour voir. Il y a des bottes de foin, je crois, juste devant le garage. Parce que là, c'est pas possible, quoi, il y a un blême. Désolé, j'ai voulu mettre la vitesse haute, mais non. C'est encore pire. Sur des sites du style Instant Gaming. Après, ils ont passé un truc qu'on devait payer la TVA même sur les e-commerce étrangers. Ouais, ça se fait un peu, ouais. Alors après, il y en a qui arrivent apparemment à ne pas payer les taxes, mais bon. Du coup, j'ai jamais acheté sur Instant Gaming. Ou Eneba. Avant, j'achetais directement sur le store brésilien Xbox, mais ils restreignent de plus en plus. Ils grignotent petit à petit les choses qu'ils pouvaient faire. Qu'ils faisaient que c'était simple. Maintenant, ça devient une vraie galère.
Merde, je regardais pas, je lisais le chat, le Discord officiel. Il y a un bug encore avec une tour de flotte là, mais je sais pas ce qu'ils ont. Pas ce qu'ils ont trouvé là comme nouveau bug avec les tours de flotte là, je regarderai tout à l'heure. J'ai même été voir le Yurpass 3 sur Microsoft Brésil. Une fois que tu as converti les rails en euros, ça revient au même prix. Oh, le même prix, non, mais tu gagnes vraiment pas grand-chose. C'est des fois plutôt sur des jeux et quand ils sont en promo où tu peux vraiment taper des prix de des prix d'enfoiré et t'en sortir avec des super jeux à 2-3 euros, c'est ça, c'est dingue. Mais les DLC, il me semble, j'avais adé pour Snow, ouais, tu gagnais que dalle quasiment. Ça valait vraiment pas le coup. Autant les prendre en France, t'as pas de soucis. C'est si ça marche pas qu'on va se marrer, hein, parce qu'il va falloir que je ramène un autre véhicule. Hein. Ça va me... Waouh, je vais m'endormir, ça va vraiment être une vidéo de merde. Putain, je sais pas ce qu'ils font avec leur jeu pour que ça marche un jour, ça marche pas un autre. Je commence vraiment d'en avoir marre. Merde, je lisais un truc, fais chier. Ah. Ah, faut que j'arrête de lire le machin. C'est super à conduire ça, IRL. Ah, je sais pas. Le slogan SnowRunner, ça marche un jour, ça marche pas toujours. Elle est très bien celle-là. Elle est très très bien. Ah ouais, mais non, mais je comprends pas quoi. Ça marchait très très bien. On pouvait faire les bottes de foin avec le TH. J'en ai fait des conneries avec. C'était excellent. Mais là, je comprends pas. Elle passe au travers. C'est quoi ce délire? Est-ce qu'ils ont fait exprès pour plus qu'on les prenne avec le TH? C'était pas prévu, c'est ça? Il fallait pas qu'on ait le droit de s'amuser avec autre chose? Ah bah non, j'ai mon. Ouais. Oh, j'ai mon K700, si ça marche pas, fais chier. On tapera le K700 et puis voilà. Ça sera de la merde, mais au moins ça sera vite fait. Ça ne peut pas marcher, voyons. J'ai l'impression de passer au travers. On peut passer dessous avec les fourches comme ça maintenant?
Ouais, ok. Bon, ça marche. Ça m'a, à mon avis, ça doit pas être hyper stable. Là, on va peut-être le voir. Mais ouais, il me semblait pas que ça marchait avec les petites fourches, hein. Je crois que c'était plutôt les grosses, hein. C'était bien plus logique. Ah là 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 là. Ah d'accord. Non, le tablier, ça te parle pas. Hein. L'objectif d'un tablier, ça te cause pas. D'accord. T'es au courant que j'ai les fourches qui traversent le sol là? Ah là là. La prochaine map du jeu sort quand? Tu as des infos à ce sujet? Est-ce que tu sais quand la phase 10 sort? As-tu des news à ce sujet? Mais je l'ai déjà dit ça hier. Hein. J'en parle tous les jours en ce moment qu'on sait pas. Il faut 90 jours avant qu'on voit le nouveau PTS et il faut 45 jours pour qu'on voit la phase sortir. Donc il n'y a rien de plus à dire. Hein. On n'est pas prêt de la voir. Pourquoi est-ce que... Ah, je suis passé en neutre. Super. Donc il va falloir attendre et puis c'est tout. Hein. Y a rien de plus, hein. Je suis sûr que ça marchait pas comme ça avant. C'était les fourches larges et ça marchait très bien. Hein. Là, ça se met pas du tout au milieu, c'est à deux doigts de se péter la gueule. Ça y est, ça s'est mis dedans. Oh là 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 là. On appréciera le côté rond dans un trou de fourche, mais bon. Oh là là. Et surtout, la fourche est intuitive contrairement à une game. Ah bah oui, bah ça. Salut Max. Ah, ce que tu m'énerves. Putain, mais c'est moi ou le stream, il est... Il est hyper noir sur la vidéo, là. Dingue, on voit rien à ce point. Aide-moi ça. Garde-toi correctement là-dessus. D'accord, t'es au courant qu'on est en pente plutôt vers l'avant? Ah, tu m'expliques pourquoi tu recules, mais... Oh là là, les pneus, mais c'est tellement de la guimauve! Mais c'est tellement de la guimauve, ils s'écrasent, ils passent à travers le sol. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux rouler sur des cailloux qui glissent? Les pneus ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Ils sont incapables.
incapable de faire quoi que ce soit. Les pneus n'ont aucune adhérence, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, fourche rapide. Hop. Oh, à mon avis, je lui ai pas laissé assez de place. Voilà, on y est. Le retour va être un enfer, mais on y est. Ça laissera le temps de terminer la phase 9 qui est pas très grande. Bah écoute, la phase 9, je suis déjà à 43 heures de jeu. Et je suis loin d'avoir fini, donc pas très grande, pas très grande. Je suis pas forcément d'accord. Hein. Elle est pas parfaite, c'est clair, mais niveau durée de vie, elle a l'air comme je pensais, même plus peut-être. Je pense qu'il y a moyen de faire les 60 heures comme le Canada, hein, comme le Yukon. On verra, je vous dirai combien de temps j'ai mis et puis on essaiera d'évaluer par rapport aux autres phases. Tout est dans mes fichiers sur le disque, sur Internet, là. Google Sheets. Mais ouais, on est à 43 heures pour l'instant. Alors bon, j'ai tenté quelques conneries, on peut peut-être retirer 2-3 heures. Peut-être retirer 2-3 heures où j'ai fait le con, mais... En fait, on peut prendre des ressources, mais il faut vraiment enfoncer les fourches dans la texture du sol. Bah ouais, sinon tu les pousses au lieu de les trucs. Mais il y a des textures où tu peux pas, des sols où tu peux pas passer à travers. Donc c'est pour ça que c'est problématique. Quand tu le chopes au Yukon, il y a un exercice sous forme de tâche. Rien que tu la vois, que c'est merdique. Bah ouais, les fourches, elles sont trop espacées pour une ressource qui fait quasiment la taille des fourches. C'est une vraie galère. Elles passent pas en dessous. C'est... Mais ça, tu vois, il n'y a aucun développeur. Il l'a testé et en 2 minutes chrono, il se dit « Eh les gars, ça marche pas. » Non, non, c'est bon, vas-y, on voit, c'est pas grave. Ça les a même pas choqués une seconde. Hein. Ils t'ont fait une mission tuto pour le char élévateur, c'est de la merde, ça marche pas. Et ils se sont dit, allez, on laisse couler, on laisse passer. Enfin, on peut prendre des ressources. Non, ça j'ai lu. Pour la durée, ça va être comme les autres phases, de la même taille, je pense. Ouais, à peu près 50-60 heures, je pense. Et encore, la prendre sur un quai, c'est impossible. Ouais, sur les quais, tu pousses, ça tombe derrière, c'est génial. Je suis à 70% de la phase 9. Pas combien je suis, moi, viens voir. 72. Bon, après, je sais pas si c'est très représentatif. Oh là 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 là. Service qualité, ouais, non mais ils en ont un de service qualité, apparemment. Eh ben heureusement qu'ils sont pas dans l'alimentaire les mecs hein. Putain. Je suis pas sûr que ça va arriver en entier cette histoire vu comment ça drift. Chez Butoni. Ah ouais, bah peut-être qu'ils ont peut-être fait un stage chez Butoni, hein, ouais, je sais pas. Ouais. Eh les gars, ça tombe sur le côté, il faudrait peut-être ramasser. Non, c'est rien, c'est pas grave. Ah bon? Ouais, personne verra rien. Personne sera au courant. Ah bon, bah ça va. Oh putain, il y aurait tellement des mèmes à faire, des blagues avec ça. Sur les développeurs de SnowRunner, putain. Oh là là.
Putain, j'ai mal au genou. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh putain, la vache. C'est eux qui ont fait les lasagnes fin du saut cheval. Eh ouais, aussi, aussi. Qu'est-ce que tu veux que te dire? C'est pas si mal, David Goudenos. Goudenos, bref. Non, c'est au-delà de ça, je crois. Je crois que c'est au-delà de ça. Ah, tout le monde est là? Tout le monde est là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un petit tour phase 8 pour voir si les fourches marchent ou pas. Parce que là, je suis sur le cul quand même, hein. J'irais bien voir juste avec le TH, voir ce que ça donne. Salut Thomas. Ça peut aller, toi. Je m'endors un peu, mais. Je crois que je vais aller faire un tour en phase 8, voir si les fourches elles passent à travers là, parce que. Je comprends plus là. Vas-y, j'ai juste contrebraqué. Pourquoi il fait un demi-tour quasiment, le machin? C'est quoi cette stabilité de direction de merde? C'est incroyable, quoi, vraiment. Faites-vous soigner, les mecs. Je peux même pas m'éloigner du pont. Pouah. Oh, les kyrovets, putain, je peux plus les voir. Déjà qu'ils servent à rien, leurs modules sont c'est de la merde et en plus ils sont nuls. Oh, c'est des anciens de chez Davilex qui ont fait anti-terror force. De quoi? Oui, je sais ça, je connais. Dernier niveau, t'es déjà repéré. Ah oui, non. Mais... Ah, je me rappelle. Bon, ça va être fait. Qu'est-ce qu'on fait après? On va peut-être se sortir un petit Aramatsu. J'ai manqué quoi depuis ton départ du garage pour le deuxième voyage? Rien. Bah si, peut-être que les fourches larges ça marche pas. Ça marche plus. On va aller faire un petit tour en phase 8-10 secondes pour voir si c'est. S'ils ont cassé le jeu ou. Si c'est la phase 9 ou si c'est le jeu entier. Ah, c'est vraiment dommage, hein. Bon, attention, ça va encore être épique. Au moins, je suis passé, c'est déjà pas mal, mais... Putain, c'est incroyable, incroyable. Comment ils ont pu tester ça et se dire que c'était bon, quoi? Faites un effort, les gars. Eh oui, qu'est-ce que je te dise? Il y a des poteaux, bah oui. Bah oui.
Ouais, bon, bah, je crois qu'on va y aller en bourrin, hein, parce que. Je veux bien faire de la manœuvre, mais avec un véhicule de merde qui accepte rien, c'est pas la peine. Je veux pas perdre mon temps avec ça. Mais je suis déçu, hein. Je m'attendais à faire du truc sympa en KCTM, en tracteur, et. Je me rappelais plus que c'était aussi à chier. Mais c'est bizarre, je l'avais sorti au Yukon une fois. Et j'avais l'impression qu'il tenait mieux le pavé. Je sais pas. Ça devait être une. J'avais dû prendre quelque chose, sniffer un truc, j'en sais rien, parce que. Visiblement, ça ne va pas mieux du tout. Allez, on va passer à quelque chose d'un peu plus amusant. Bon, est-ce que la Ramatsu, est-ce que je l'emmène sur ses roues ou est-ce que je le mets sur une remorque? J'adore, j'adore. C'est tellement bon. C'est tellement bon de voir ça quand tu revends la remorque, c'est magnifique. Tada! Et je passe dessous. KCTM, truc sympa. T'es toujours en train de râler? Bah oui, qu'est-ce que je te dise? Fin de service pour moi, bonne soirée à tous. Bonne soirée Mustang, bon courage à toi, à plus. Salut Nas, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Après oui, pour le coup, RP sur 20. De quoi est-ce que j'ai fait? Hop, allez, tu dégages. Revends-le, ça sera fait. Hop. Boum. Allez, on va aller faire un petit tour très rapide, juste 5 minutes. Voir si ça marche toujours pas. Ça marche pas sur la phase 8. Là, je comprends plus, là. Yo, Malk. Juste un coucou en courant, la suite sera en replay. Eh ben ça marche, bonne soirée à toi. Bon courage si t'es au boulot. Merci d'être passé. Alors, TH357. Hop. Alors normalement je crois qu'il y a des bottes de foin juste devant. Hein. Alors c'est pas les bottes de foin de mission, mais... Quoi que tu me diras, je pourrais... Il y a une... Je crois qu'il y a une tâche avec des bottes de foin. Parce que celles-là, elles sont pas emballées. Bon, on peut tester quand même. Ah oui, mais merde. Je peux tester, mais il y a un gros fossé là. Hop. Elle a l'air plus petite déjà. Sans déconner, ils ont vraiment tapé dedans ou... Ça a l'air de passer. Ça a l'air de se tenir là. Alors est-ce que je vais... Voilà, je vais bloquer. Voilà, bouge pas. Non, non, vas-y, je laisse, 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 laisse là. Hop. Hop. Voilà. Laisse-la ici, elle est bien. Ah bah non, tombe pas, c'est pas drôle. Je crois qu'il y a une tâche là juste à côté. C'était ça, hein, en avant-toute. Ouais, d'accord. Que j'avais placé un point, il est où?
Ça me chauffe un peu ça de placer des points et qu'ils se mettent pas. Merci. Là-bas. J'avais fait la même connerie dans le Maine, BM17. J'ai mis sur BC40. J'ai un TH357 pour les cabanes. Super roleplay, mais après tu regrettes. Ah, oh, j'avais aimé moi faire les cabanes avec, hein, c'était cool. Le 2x4. Allez, cale pas, bon sang, t'es en première. C'est pas possible ça. Mais t'es en première, comment tu cales? Sérieux? Waouh. C'est impressionnant. Faut se calmer, les gars. Ça passe quand même tellement mieux que les fourches larges quand ça marche. Bah ça a l'air de marcher hein, mais phase 9 là, voulait pas. Bah écoute, ça marche très bien, hein, donc je comprends pas. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas. La 4 places sur BC à rampe est horrible. Elle est lourde et tape sur la moindre ornière. Oh, elle se coince dans tout. Hein. Salut Paladin, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Salut Stantry. Ou Stantry. Salut Paladin. La 4 places sur BC à rampe, je l'avais sortie à Cola. C'était la catastrophe. Ouais, ah bah oui, à Cola, oui, c'est pas trop. Ouais. Mais bon, ça m'étonne. C'est que ça. Ah bon, c'est à la limite, hein, on dirait, de lâcher. Hein. On dirait que c'est à la limite de lâcher, mais... quoi, ça tient. Ça tient en phase 9, ça tenait pas. Hein. Bah je sais pas. Je ne sais pas. Bon. Avec le Warthog, t'avais sorti la rampe sur BC. Ah ouais, bah alors là, si tu joues... si tu joues au con à ce point, c'est sûr que là, faut pas t'étonner. Warthog, déjà, c'est pas la folie. Bah alors, si en plus tu lui mets la sur BC, waouh, ouais. Ça va pas bien se passer, je confirme. Bon. Qu'est-ce que j'ai à faire en tâche sur l'autre déjà? Ah oui, il y en a une que j'ai toujours pas été chercher, qu'il faudra que j'aille prendre. Bah, un château d'eau d'ailleurs qui me manque. Allez à la première zone, vibrateur sismique. Ah, il y aura du vibrateur à faire. Il y aura du vibrateur à faire, d'accord. Ok. D'accord, donc deux châteaux d'eau, deux vibrateurs. Une cabane, une poutre en métal, un rouleau de métal. Ouais, donc j'avais dit il y en a pour 5 places là. Ouais, il y en a pour 5 places. Donc 5 places pour le château d'eau 7. 5 places pour le château d'eau 5, et puis j'imagine 5 places pour l'autre. Pop, 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 pop. On va peut-être aller faire le. Tiens, bah j'ai celui-là. Vas-y. Déris spécial. Ouais. C'est pas ce que je voulais. Tatra Phoenix. Ouais, le Tatra Phoenix, il est équipé, ok. Réparateur, l'autre c'est de l'essence. Bon, il en a aussi de l'essence. Ouais, le château d'eau, il n'y a rien qui presse à aller s'emmerder à le chercher. Quoique, ça me fera revenir, tiens, allez hop.
Alors, elle est cool à faire, la vibration. Ouais, tu m'avais déjà dit hier. Bah écoute, on va peut-être faire ça. Comme ça, on fera les différents modules qui se sont mis. On a fait du coup du TH, du K700, les meules de foin. Du coup, là, on va faire des troncs brûlés aussi. On va peut-être faire le vibrateur sismique. Et puis voilà. Donc, tiens, on va passer écraser quelques citrouilles pour que j'ai mon succès un de ces jours. Je sais pas si je l'aurai un jour, mais. Ouais, trop bien! Ouais, bon, par contre, j'essaierai pas de faire des virages avec. Merci, au revoir. Non, non, là, j'ai pas le courage. Là, j'ai pas la force. Waouh! Ok. Alors, où est-il ce foutu château d'eau? Hop. Voilà. Après que t'aies buggé hier, j'ai dû arrêter car ça m'a complètement buggé, je voyais rien. Ah ouais? Après, j'ai regardé, moi, il n'y a pas eu trop de bugs trop longtemps, hein, je crois. Il me semble. Je sais pas à quel moment ça buggait. C'est surtout à la fin, je crois. J'ai eu un souci quand ma femme est rentrée, elle s'est foutue un peu sur internet. Forcément, ça a bouffé un tout petit peu de co, mais ça suffisait pour que le stream soit en PLS. Warthog peut sur BC, j'ai testé dans Urska, je me suis pété la tronche de la descente en virage qui glisse. Ah oui, non, mais c'est normal que tu tombes en fait. Si tu fais du cloche-pied sur du verglas, à un moment tu vas tomber. Donc, c'est pas une bonne idée d'essayer. Un con. Oh non! Pas les consommables! Pas les consommables! Il faut 7 places pour les consommables. Quelle horreur. Bon, ça c'est fait. Tu vas voir des coins reculés. J'ai cru que c'était une insulte. Est-ce qu'on peut acheter le DLC Citrouille? Non, tu peux pas. Tu peux pas, il est verrouillé. Les développeurs trouvent que c'est trop cheaté. Anno 1800, installation en cours. Ouais, il est gratuit pour ce week-end. Je l'ai vu en supermarché d'ailleurs. Il sortait aujourd'hui, je crois. Bien, toi tu dégages. j'ai dit vibrateur sismique et qu'est-ce que j'avais dit? Les troncs brûlés. Alors faudrait faire un peu d'aramatsu. Et puis les troncs brûlés, je pense qu'on ira avec le nouveau Derry pour le tester encore un petit peu. Ça pourrait être pas mal. Alors où est l'aramatsu? Il est où le tiramisu? Il est là le tiramisu. Bon, j'en ai deux. J'en ai deux, mais on va en prendre qu'un. Il a les grumes moyennes. Mettre en rouge, ça change. Hop. Ouais, allez, je vais. Vu qu'il y a 4 troncs brûlés à faire. Je vais gueuler encore, hein. Je vais gueuler, hein. Parce que cette mission c'est de la merde. Mais c'est pas grave, je vais gueuler, c'est pas grave. Je vais prendre une petite remorque. Alors il faut savoir que la plupart des remorques n'ont pas été mises à jour pour les troncs brûlés. MS Trailer Pack, RSK, je sais plus ce qu'il y a d'autre, ils ne sont pas mis à jour pour l'instant. Il y en a qu'un que j'ai trouvé qui était à jour et qui en plus, comme par hasard, correspond plutôt bien. J'espère que je l'ai activé. Oui. Correspond à peu près bien à l'Aramatsu, c'est le pack de Olsen. Merde, je me rappelle plus comment il s'appelle. Il en a fait qu'un, Olsen, je crois, et du coup, il a fait ça. Alors, les troncs, on verra, il y en a un peu moins dedans que dans l'Aramatsu. Mais ça permet d'avoir un truc qui correspond un peu plus. C'est dommage, c'est un peu bas, un peu fin, les roues sont un peu petites. Ah, il y avait vraiment un tout petit peu mieux à faire, mais pas grand-chose, hein, c'est dommage. C'est quoi ce bug de l'extrême là? On m'explique ce que c'est que ce bug de l'extrême là? Ah, c'est beau, hein? Ah, les petites captures. Magnifique. Magnifique.
Impeccable. Bon, par où est-ce qu'on va passer? J'ai bien envie de dire par la route, hein. Par la route, peut-être par là. Ouais, là, il y a beaucoup de flotte par là. Hein. Je sais pas pourquoi je mets un point ici. Il y a beaucoup de flotte dans le coin et comme les développeurs se sont dit, tiens, si on lui mettait pas de schnorkel à ce véhicule, ça sera bien de la merde. Ah bah allez, banco, banco. Bon, on va essayer, on verra si je le coule. J'aime bien en faire des sous-marins, des véhicules. C'est la faute, c'est ta faute avec tes conneries. On tente d'en faire dans le même genre. Ah ouais, mais ça dépend lesquels. Il sera job gratuitement une semaine, c'est ce qui est annoncé. Une semaine, pas sûr. Je crois que c'est du 17 au. Je sais plus quand, non? J'avais reposté le tweet, je crois. Je l'avais posté un peu partout. Ah, une semaine complète? Carrément? Il y a la bêta aussi de Diablo, là, ce week-end. Diablo 4. Alors, elle est en accès anticipé, donc j'imagine ouverte, mais accès anticipé si t'as acheté le. Enfin, non. C'est bizarre, c'est que c'est une bêta fermée, donc si t'as acheté le jeu, tu peux y jouer. Mais il y a une bêta ouverte, accès anticipé. Non, à mon avis, il y a un bug. Il y a un bug, je suis pas sûr que ce soit ça. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il sera jouable du coup. C'est dans son pack remorque style agricole, non? Ouais, c'est les remorques, tu sais, un peu tout en ferraille avec des rambardes en fil de fer pratiquement. Ouais. Salut Arnaud! Celle-là, elle est dedans, ouais. Job gratuitement une semaine, d'accord. Ok. Bon. L'épisode 1 de Life is Strange 2 est gratuit en ce moment. Oh, pas intéressé du tout. Mais ouais, Anno, c'est pas mon truc, je pense pas que j'irai. Par contre, ma femme, je pense qu'elle va aller y jouer. Mais Diablo 4, par contre, faudrait que je cherche, là, j'ai pas eu le temps. J'ai vu cette histoire d'accès anticipé, là, de bêta ouverte, accès anticipé, j'ai pas compris. Mais ça m'intéresserait bien. De toute façon, est-ce que je vais pas acheter Diablo 4? Il y a des chances. Donc, au pire, peut-être l'acheter et puis pouvoir jouer à la bêta. Ça pourrait être sympa, mais bon, ça serait bien d'essayer le jeu avant. Mais... Pour Diablo 4, bêta de ce week-end pour les joueurs ayant préco le jeu et semaine prochaine pour tout le monde. D'accord. Parce que j'ai trouvé le truc là sur Xbox IGN. Ils mettaient la liste des bêta ouvertes et ils mettaient l'accès anticipé dedans. Mais du coup, elle est pas ouverte. Ou à moins que la fermée soit sur invitation, je sais pas, mais. C'est un peu curieux. Diablo 4, je vais le prendre, mais je sais pas encore quelle édition. Ah, j'ai vu qu'il y avait tout un tas de cosmétiques de merde dans la Deluxe édition, là. Oh là là. Est-ce que ça me saoule? Faut que je regarde aussi. Du coup, j'ai pas pu acheter Police Simulator aujourd'hui. Il y était pas, Leclerc. Pourtant, j'y suis allé, j'ai regardé partout. Bon, j'ai pas demandé, j'aurais pu, mais... ça m'a fait chier, du coup... Je vais l'acheter par Amazon, il est au même prix. Je sais pas si je commanderai pas d'autres choses avec. Je vais voir. Alors, est-ce que tu flottes? Ouais, y a pas trop d'eau, on dirait là. J'ai une patrouille de nuit à faire justement dessus. Pourquoi toi l'essence est gratuite, moi c'est payant? Bah parce que tu joues en hardcore ou alors en New Game Plus et que tu l'as mis payante. Enfin tu l'as pas mis gratuite parce qu'en New Game Plus il faut demander qu'elle soit gratuite. Si tu mets paramètres par défaut, il te la va te la mettre payante. Ça je m'étais fait avoir dans ma première partie New Game Plus. Ils se sont loupés là-dessus. Police Simulator est sympa, j'ai le platine.
il y a une semaine. Il est sympa, mais les bugs sont légion. Après, il a l'air d'être pas mal patché de temps en temps. Moi, j'ai beaucoup aimé des mêmes développeurs le jeu de pompiers, Firefighters. Donc, après, voilà, c'est pas pour le prendre très au sérieux. Hein. Il y a moyen de l'avoir à 26 balles là, chez Amazon. C'est quoi ce bloc diff qui se met en croisée là? Vous avez vu? Je l'avais déjà vu tout à l'heure, mais là quand même. Ah, c'est quand tu braques? Ah, quand tu braques, il te fait des croix. Ah, ouais, d'accord. Il te fait des Z, ok, ouais, d'accord. Ok. D'accord. Salut, Saut Anarchie. Diablo 4, c'est à partir de vendredi 17h jusqu'à lundi 20h en bêta fermée pour les joueurs qui ont préco l'édition ultime. Et le week-end prochain pour la bêta ouverte pour tous. Ok, donc tu confirmes, c'est bien ça. Donc je sais pas trop, c'est Xboxygène qui m'ont un peu induit en erreur. Après, je vais voir hein, si je suis sûr d'acheter Diablo, hein, c'est tellement cool. Que je vais peut-être l'acheter puis essayer de jouer à la bêta ce week-end, je sais pas. Mais bon, je suis pas là beaucoup ce week-end. Donc ça va être compliqué. En plus, s'il y a Anno en plus, bon, ça sera pour ma femme si elle veut essayer. Il y a pas mal de bugs de collision, c'est sûr, mais il est très sympa. Ça arrive aussi sur le 4. Ah ouais, quand ça se fout en diagonale comme ça, là, ça arrive sur le 4, d'accord. J'avais jamais fait gaffe, là, je sais pas si c'est là depuis le début. L'essence, ouais, ça va le faire. On se traîne avec ce tiramisu. Ouais, c'est vrai que c'est pas rapide. Je sais pas si je lui ai mis un bon moteur ou quoi. C'est vrai qu'on se traîne, mais après, on... En fait, là, le problème, c'est que le Ramatsu, il est pas à sa place. Tu le prends sur des cartes plus difficiles, il va te faire un super bon taf. Tu vas arrêter de lever la caméra. Là, on est sur une carte assez facile, donc on se fait vraiment chier. Mais quand je l'avais pris sur la phase 6 dans certaines zones qui étaient un petit peu plus compliquées, il faisait quand même un taf assez incroyable, je trouve. Là, forcément, dans des routes où tu sais que ça va plus vite, tu te fais chier. Hein. C'est vrai que... Puis alors là, aujourd'hui, je collectionne les véhicules où on se fait chier. le K7M, le K700, l'Aramatsu, le 4TR357. J'avais déjà envie de m'endormir, les gars. Pourquoi j'étais assez con pour prendre tout ça? Je comprends pas. Est-ce qu'il y a une Porsche dans le jeu pour changer après, pour faire le test sismique, là? Parce que... Faut alors que je me réveille, là. Bonne soirée Paco, merci de passer. A plus dans le bus. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est marrant aussi sur les Tatras vu qu'ils sont plutôt flexibles. D'accord. J'ai suivi l'actualité pour Diablo 4 et pour l'instant, ils ont dû vraiment... Attends, pour l'instant, ils ont dû vraiment le perfectionner, le jeu à voir déjà... Ce week-end, moi, je le prendrai en juin. Ouais. Sismique est lent, le Zix. j'ai dit Zix. J'ai encore fait un lapsus. Je voulais dire Derry Longhorn spécial. Derry spécial, tout court, sera mieux. Je voulais dire Derry spécial. Mais le Zix, après, est pas très très rapide non plus. Il passe partout à la même vitesse, mais il est pas très très rapide. C'est vrai qu'on m'avait dit d'enlever le bloc diff aussi, la WD. Ah bah on peut pas l'enlever, d'accord. Des fois, vu que la WD, ça prend un peu de la puissance sur les autres roues. Salut Jojozix. Jojozix, pardon. Bah écoute, ça peut aller, toi. Salut Alba. Merci beaucoup pour ton abo. C'est sympa. Très cool. Le problème avec les Diablos, et pas les Diabolos, pour ceux qui vont le faire en coop, c'est les problèmes de serveur. Ah. Moi, j'en ai pas eu spécialement sur le 3. Par contre, ce que j'ai vu dans Diablo 4, que je savais pas, c'est qu'il va y avoir des passes saisonniers, c'est comme ça qu'on appelle ça, des passes de combat, quoi. Où tu vas sûrement avoir des trucs, plus tu joues, plus tu vas débloquer des choses. Et donc, bah, si t'es pas là, tu vas louper des têtes, des trucs qui vont sortir. Donc, c'est sympa et ça m'emmerde. Du coup, va falloir jouer un petit peu tout le temps, là. Déjà, Rocket League, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de finir mon dernier... la saison précédente, il me manquait 20 niveaux, je crois. J'ai perdu... du coup, j'ai pas eu 200 points. Ça va que j'avais des points d'avance
que j'avais acquis dans un événement spécial, j'avais 2000 pour acheter le nouveau pass. Mais ouais, il va falloir que je me bouge. Y rejouer de temps en temps là avec SnowRunner et tout, ça m'a un peu trop occupé. J'avais lâché Snow, j'ai été malade aussi, donc pas le bon moment. Ça va toujours bof, là j'ai une bonne bronchite. Ah bah écoute, soigne-toi bien. Moi c'était angine et gastro, c'était génial. Pas en même temps, bon. Je sais pas si c'est mieux ou pas, mais... oui, il y a des passes de combat, ouais, apparemment j'avais lu ça, donc à voir ce que ça va être. Ça peut être assez sympa, à voir. C'est vrai que moi j'aime bien les passes de combat, surtout à partir du moment où tu peux avoir la suite gratuitement si tu continues, si tu joues un peu, mais... Faut un certain investissement, faut jouer pas mal. Si, comme t'as tout juste le nombre de points, et des fois ça dépend après des jeux, des fois les passes de combat se finissent plus rapidement que d'autres. Et des fois c'est compliqué. Hein. En KRS pour du sismique instable. Ouais, y a pas que du sismique instable, avec le KRS tout est instable. Non, je sais pas, je reprendrai peut-être bien le Derry spécial pour voir. Je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais... C'est un véhicule qui va passer partout, au moins je sais que je vais pas être coincé. Ah ouais, d'accord, l'arbre il est en train de te donner la direction, là il s'écarte tout seul de ton chemin. Putain, c'est n'importe quoi. Hein. L'essence, ça va l'essence. Bah voyons mon colon. Bon, et le but de Diablo c'est de farmer encore et encore. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, il y avait des trucs qui étaient bien quand t'étais dans le 3 avec les licornes, avec les gobelins qu'il fallait se dépêcher de tabasser là et tout. Tu chopais du loot aléatoire et tout, c'était sympa. J'avoue que j'ai pas trop suivi Diablo 4, je sais pas exactement à quoi il ressemble. Donc on va passer tout droit. Hein. Je sais pas trop s'il y a une route là qui fait le tour. Elle a l'air aussi pourrie que là où il n'y a pas de route. Donc hop. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Oh le petit pic de merde là qui dépasse. Bien caché, bravo. Faut être fier de vous. Ah, il y a quand même un point de chargement. Mais bon. Moi, je le dis, franchement, cette mission, elle me dégoûte parce que je trouve que les troncs, on aurait dû aller les chercher sur la carte. On aurait dû avoir un jeu de piste d'aller les chercher. Regarde-moi cette zone. Cette zone boisée où tu aurais pu répartir les... Il y en a combien ? 4 chargements, 4 x 3, 12. Tu mettais les 12 troncs en vrac, ça aurait été cool, franchement. Alors, éventuellement, bah, les mettre sur la carte, quoi. On te dit où les choper. Mais franchement, pour moi, c'est tout bien rangé, là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Merde. D'accord. Je trouve ça dommage. En général, tu as presque rien de gratuit, c'est pas cool. Bah ça dépend quoi, oui, dans les passes de combat, mais oui, effectivement. T'as rien de gratuit si tu l'achètes pas, mais c'est souvent les passes de combat, t'achètes le premier et t'as des points pour avoir le suivant gratuitement. Et ça c'est pas mal, faut être honnête, c'est plutôt cool. Bon après, comme je dis, faut s'investir à mort, faut jouer. C'est pas forcément donné à tout le monde. Hein. Ah, trop loin. D'accord. Pardon. Bah tout est vert, qu'est-ce que tu m'emmerdes?
C'est quoi qui est irrégulier chez toi là? À part ta connerie. Ça non, elle est régulière. Qu'est-ce que tu me racontes que c'est pas régulier? Ah. Ah, d'accord. Quoi? Attends, là t'arrives à faire pire que ça, sérieux? Non mais t'as un problème là. T'as un problème là. Qu'est-ce que tu me dis que c'est pas aligné? Quoi, je suis pas à plat? T'as un problème? T'as quelque chose? Je sais pas moi. Oh mais tu te fous de ma gueule là, c'est pas possible. Qui arrive à charger mieux que ça? Personne. Quoi, vous avez pas autorisé le chargement manuel? Ah d'accord. Ah. Il fallait désatteler la remorque. D'accord. Donc la remorque est peut-être pas encore totalement au point. Bon. On va essayer de charger la manuelle quand même, histoire de voir si elle fonctionne bien. Voilà. Alors, détache la remorque. Bah, ok. Bah écoutez, vous aviez trouvé avant moi et j'ai loupé des commentaires, je suis désolé. Il est plutôt bien dans son élément, ton tire-moi là-dessus. Détache la remorque, lâche la remorque, effectivement. C'est ta remorque, je crois, qui fait bugger. Décroche-la, tu vas voir. Si ta remorque, faut charger les deux. Non, t'as pas besoin de charger les deux, même si t'as une remorque. Hein. Ça m'est jamais arrivé d'avoir ce bug, hein, je crois. Ou alors c'est nouveau, mais... C'est soit la ressource, soit la remorque, soit... Soit le jeu qui est bugué maintenant. Mais avant, les troncs normaux, il n'y avait pas de problème, je crois. Hein. Il me semble pas. Hein. Ça va, la pince? Tu vas y arriver? Et la pince de la Ramatsu, au moins, elle a de la force, quoi. Là, tu peux en prendre deux d'un coup, il n'y a pas de souci. Merci. Je viens d'appuyer le bouton pour lâcher. Pourquoi est-ce que tu la portes encore? Merde. Putain. Pourquoi tu fais pas en auto? Bah, parce que je fais en manuel. Je sais pas, je trouve pas de réponse mieux que celle-là. J'ai envie de charger en manuel, je charge en manuel. Allez jouer à Mudrunner. Vous allez voir si vous allez avoir envie de charger en auto. Vous allez voir le fun que c'est de charger en manuel dans un jeu qui fonctionne. Les grues, elles fonctionnent très bien dans Mudrunner. C'est un vrai bonheur. C'est hyper roleplay, c'est hyper fun comparé à ce jeu-là. Vous verrez la différence. Alors, je tenterai bien de déballer et remballer. On verra si ça fonctionne dans la remorque, déjà. Quasiment placé, nickel. Ah bah je suis obligé, je suis con. Bon bah ça fonctionne. Alors coupe le moteur, faut que je regarde où je passe. Parfois le jeu me passe si t'es attelé. Si tu te mets en vrac, que t'as la remorque encore empilée, mais que tu étais désempilé sur le camion, faut détacher la remorque pour re-empiler. Tu peux prendre 3 d'un coup dans mud. Ah ouais, dans mud, pff, tu charges tes camions en 10 secondes, c'est un vrai kiff. Ouais, en gros, faut que je reparte là, quoi, parce que retourner là-haut... Retourner là-haut, après, on va où? Mais non. Retourner là-haut, après, c'est où qu'il faut livrer? À la Syrie. Je suis ici, je passe là. Là. Là, on dirait qu'il y a un passage, mais il va être merdique.
Ouais, bon, on va essayer ce passage-là et puis on verra. Donc derrière moi, il y a une route pour aller au passage. Ben, c'est parti. Il y a une remorque avec laquelle on peut faire des demi-tours propres. Ça fait du bien. Bon, je l'ai pas manœuvré comme il fallait par contre. J'ai hésité à tout prendre dans le véhicule et à me barrer avec pour recharger à la fin comme il faut. Hein. J'ai hésité. Ouais, je me suis un petit peu coincé là, puis en plus ça va. Ouais. Plus ça va, moins ça va. On va faire directement comme il faut. Ce sera toujours ça de gagner. Donc la route, ça doit être ce qu'il y a là derrière. Tu peux. Non, j'avais déjà lu. Ah non, mais jouez à Mudrunner, vous allez voir ce que c'est que de charger du bois en manuel, vous allez voir ce que c'est que de vous amuser. Vous allez voir pourquoi le roleplay, vous allez avoir envie d'en faire après. Parce que ça marche dans Mudrunner. Tu charges tes trucs, c'est beau, c'est propre, ça marche. T'as des remorques qui se replient. C'est tellement plus au point que Snow. Pourtant, c'est le jeu qui était là avant par les mêmes développeurs. Hein, donc, c'est difficile à comprendre. Surtout que dans Mudrunner, tu pouvais charger les petites grumes dans une remorque à rambarde. Ouais, bah il y avait que ça en même temps. Donc, t'avais pas mal de choses. Ouais, t'avais des camions, des 4x4, je crois, des remorques pour scouts, il me semble. Il me semble qu'il y avait des remorques pour scouts avec des troncs courts. Et ce qui était vraiment génial, qu'ils auraient dû reprendre pour moi, bon, après, bon, c'est pas encore trop le gravissime, mais c'est que tu devais livrer 8 points de bois. J'en ai déjà parlé des tas de fois. Là, l'arbre, par contre, tu te fous de ma gueule. Tu devais livrer 8 points de bois, et du coup, tu choisissais. Tu prenais des troncs courts, eh ben, t'avais que 2 points. Tu livrais des troncs moyens, t'as 3 points. Des troncs longs, 4 points. Donc, c'est toi qui choisis, mais par contre, il faut assumer. Donc si tu fais des troncs courts, eh ben, tu vas faire un paquet d'aller-retour. Si tu fais des troncs longs, tu vas en faire que deux, et puis voilà. Pourquoi on dirait que j'ai plus d'essence dans mes roues arrière? Ça, c'est incroyable. C'est incroyable, des arbres morts qui retiennent des roues. C'est magnifique. Hein. C'est toute beauté, hein, comme on dit. Waouh! D'accord! Il y a un petit problème! Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème? Oui. Bon, ça, on s'en fout, le chauffeur, on n'a pas besoin de le voir. Bon, là, je sais pas le bug d'où il vient. Si c'est la remorque ou si c'est le jeu ou si c'est les deux. Hein. Je pense que c'est les deux, là. Ah oui, l'autre, c'est pareil, tiens. Ah oui. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, ça passe. Oh là 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 là, que c'est beau. Oh que c'est beau. Oh merde. Oh, je m'attendais à un peu plus de qualité que ça. Déjà que c'est pas joli à regarder les remorques, mais en plus de ça, il les a même pas programmés correctement, c'est abusé. Hein. On retrouve les rambardes pour grume courte dans les modes RSK, je crois. Ouais, il les a réutilisés dans ses modules aussi, dans les modules, dans des trucs comme ça, ouais. Ah, il est très dans l'esprit, même ses véhicules, hein. Il a repris le Taiga 6455B. C'est le... Merde, c'est un Kras 255, je crois. Et il s'appelle C255 dans Mudrunner. Il me semble que c'est ça, si je me dis, si j'ai pas mélangé les trucs. Les arbres qui protègent un pays. Ouf. Une nation. Magnifique. Je sais pas si t'as déjà vu, mais les remorques à tronc long sont comme élastiques si tu roules sur un rocher. Ah non. Bah ça doit être nouveau ça, parce que les troncs longs, elles passaient bien. Hein. À part quand t'avais le bois qui se levait, qui sortait des remorques. Mais ça, c'est un détail, c'est un détail, ça. C'est pas gênant.
Bon. Allez, on est parti. Quel itinéraire on va faire? On va peut-être se le marquer, ça sera mieux. J'aurais peut-être dû faire le plein avant de partir. Ah, là, il y a un passage peut-être? Ah. Un passage qui n'a pas de flotte. Ça pourrait peut-être être mieux pour... Ouais, d'accord, faut que je repasse tout le long là. Ouais, pourquoi pas. Allez, let's go. Ouais, ça va peut-être être juste niveau essence, hein. J'aurais peut-être dû faire le plein, on va voir. De toute façon, il fallait que je déplace mon Derry Longhorn, à mon avis, tout là-bas. Servira à rien, puis je parle même pas du Tatra Phoenix tout en haut, là. Il n'aura aucun intérêt. Si t'es un peu bloqué, les roues s'étirent, sans déconner. Sur celui du jeu, de remorque? Sur celle du jeu? Ah, on n'a jamais eu ça, hein, les remorques qui s'étirent, là. Les remorques du jeu, normalement, elles tiennent bien, hein. Donc ça serait pas un bug, et c'est avec quoi, tu m'as dit un rocher? Parce que si c'était un arbre mort, je me dis que ça aurait été le même bug que ce qu'on a eu là. Avec les barrières sur la route pour t'obliger à contourner et faire du off-road, le bruit des moteurs. C'est vrai que les modes RSK sont ceux qui me rappellent le plus l'époque Mudrunner. Bah, je pense que c'est là-bas qu'il s'est servi. Hein. Je pense que c'est là-bas qu'il a été chercher tout ça. Hein. Et c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup penser à Mudrunner. Hein. Je suis pas sûr que ce soit très approprié d'en retrouver dans ce jeu-là, parce que c'est pas trop le visuel. Enfin, je sais pas. Après, comme j'ai déjà dit, ça me gêne d'utiliser des mods des fois. C'est psychologique, c'est débile, mais c'est comme ça. Mais des fois aussi, la longueur des troncs, elle est pas trop respectée, je trouve. Oui, par les pneus, mais ce... Merde! Comment tu cales? Avance! Oui, pas les pneus, mais ce que les... ce qui les tient? Ce qui les tient? Et c'est sur un rocher que t'as vu ça? Chelou, ça. Dans la saison 2, oula! Au Yukon, t'as vu ça? Oui, mais bah après, ça dépend quand tu l'as vu, mais moi ça me dit rien. Ah, ça c'est censé être une route? D'accord. Bon, bah c'est une route, hein. Et là, pour faire du off-road, hein. Par contre, vous avez déconné avec l'arbre au milieu là. Hein. Vous avez déconné, hein. Encore un arbre de merde au milieu qui se déblaye pas, qui va pas casser, qui va plier, qui va je sais pas quoi. Non? Oh, ça passe. On le traverse. Ok. Bah si on le traverse, tant mieux. Hein. Ça penchouillait un peu. Merde, c'est à gauche, non? Ouais, c'est à gauche. On va remettre la journée. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il allait me retenir que c'était un arbre en adamantium. J'en étais sûr.
Salut Jopogo, bienvenue à toi. Merci pour ton abonnement. Ton follow. Il y a 2-3 jours. Ah, donc avec le patch, le dernier patch. Donc c'est peut-être le dernier patch qui a fait merder les remorques. Ça serait pas étonnant, hein. Ouais, il est déjà 19h. J'ai déjà commencé tard et alors j'ai vraiment pris tous les véhicules les plus lents du monde. Pas de live normalement demain, je le dis d'avance. Demain, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps. Samedi, je suis pas là. Dimanche, ça m'étonnerait beaucoup. À moins que j'en aie très envie, on verra. Sinon, ça sera lundi. On n'a pas encore fait une petite photo, on va en faire une. Ça lui va pas trop mal, hein, cette remorque. Pas dégueu, hein. Elle fait un peu fine, c'est dommage. Il aurait limite pu reprendre tout le module qui est là-dessus, hein. Mais au moins, elle a un peu la gueule de Ramatsu. Plutôt que la grosse remorque classique. Ah ouais, d'accord, quand tu fais une photo, ça sort la... What? C'était quoi ce délire? Comment t'as réussi à me faire tourner la cabine alors que j'étais en train d'avancer? Qu'est-ce qui me fait? A plus Jojo, merci de passer, bonne soirée à toi. Moi je l'avais utilisé au main cette remorque. Celle-là? Bah, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, si. Ou alors j'ai zappé. Je m'en rappelais pas. Il me semble que le pack est pas si vieux que ça, moi, non? Après, t'as peut-être fait le main il n'y a pas longtemps. Bon, 100 litres, ça devrait aller pour au moins retourner de l'autre côté. Oui, celle-là, si, si, elle était déjà sortie. D'accord. Ok. Ben, j'ai dû la zapper ou je sais pas, pendant que j'avais arrêté les mods. Bon, faut d'ailleurs que je vous fasse la vidéo des meilleurs mods avant qu'il y en ait 70 de nouveau de sortie. Normalement, j'ai testé tout ce que je me disais qui pouvait être bien. Normalement, j'ai rien zappé. Ouais, une descente. Bon, qu'est-ce que je fais après? Bah, j'ai encore un voyage. Est-ce que je fais le dérive spécial aujourd'hui avec le sismique? Peut-être. J'ai fait sa sortie sur la PS4. Ah ouais, donc le pack est si vieux que ça, merde. Ah, je croyais qu'il était vraiment tout récent, moi, le pack. Ah merde, c'est là-bas qu'il faut livrer. Ah, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, moi seulement, ou je l'avais peut-être vu. Je m'étais dit, ouais, bof. Et puis finalement, j'ai vu qu'il n'y avait pas que les rambardes là, il y avait quelques trucs en plus. J'ai pas trop aimé les rambardes là, c'est. J'aime pas trop le style. Voilà. Allez. On est à vide, on va consommer peut-être un peu moins, aller un peu plus vite. Le méga cab HD est pas mal, mais un peu trop cheat. Oui, bah comme d'hab, hein, c'est du John John Hot Rod. Il fait des véhicules super jolis, mais c'est cheaté à la fin. Je l'ai testé le méga cab HD, si je me trompe pas. Il me semble bien que c'est de Hot Rod, John John Hot Rod. J'en avais testé quelques-uns, lui, et vraiment, j'étais tombé sous le charme visuellement, mais quand tu joues avec, bah voilà, ça survole tout et c'est un peu dommage, quoi. Normalement, tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo, c'est du legit. Ça roule plutôt bien, mais c'est pas n'importe quoi.
Et c'est plutôt joli, customisable et autres, j'expliquerai tout de toute façon. Bon, il y a quand même 80 modes à voir. 80, 80, 90 même. Puisqu'il y en a 9 par page et j'ai 10 pages. Donc voilà. Ça va faire une grosse vidéo. Ça va mieux à vide, hein. Le pire, c'est le radar. Je sais pas ce que les modeurs ont avec ça. Bah. Après, il y en a certains. Voilà, il y en a sur les RNG, je crois. C'est des camions militaires et tout. Tu peux éventuellement comprendre. Mais c'est vrai que bah, tu utilises ça et puis t'as même pas besoin d'explorer, quoi. C'est un peu dommage. Déjà que bon le jeu c'est vrai il t'invite des fois pas toujours à explorer. Soit il y a trop de tours de guet, soit des fois bah tu sais qu'aller là-bas ça va généralement te servir à rien. Alors dans cette phase-là c'est plutôt intéressant je trouve l'exploration. Il y a plutôt des trucs intéressants d'explorer. Mais dans les autres phases généralement c'est pas dingo, hein. Et kiff kiff hein. On va la reprendre dans ce sens-là, mais c'est kiff kiff, hein. Il y aurait la route de l'autre côté. Tu peux accélérer, s'il te plaît, merci. Ouais, le radar, après, voilà. T'es pas obligé de l'utiliser, le radar, mais il y en a, ils ont carrément fait des... Ça, c'est ce que je trouve vraiment le plus gerbant. C'est les décorations d'intérieur. Il y en a, ça te supprime les dégâts. Il y en a, c'est un radar, je crois. Il y en a, t'as 10 000 points de réparation, 10 000 d'essence et tout, c'est... Bah, quand t'as plus de respect à ce point pour le jeu, tu joues pas quoi. Je pense que là. Autant je peux comprendre qu'il y ait certains modes qui soient un peu trop forts, voilà, tu veux jouer avec, d'accord. Mais là, jouer carrément avec ça. Ah d'accord, ok. Merci. Jouer carrément avec des trucs comme ça, non. Non, c'est juste pas possible. Les AGL, c'est tellement pété, les AGL, c'est abusé quoi. Salut Jimbo! Bon, écoute, ça peut aller, toi. Commence à me réveiller un peu. J'arrête pas de gueuler comme d'habitude, hein. Ça par contre, c'est un fait. Tu sors du taf. Salut Magnum! Bon, on fait le deuxième voyage et puis quelle heure? 19 h? Ouais. Ouais, on va peut-être se faire le truc sismique, je sais pas. Je sais pas si ça débloque une autre mission. Toujours pas pressé le Ramatsu? Ah non, non, non. Ça c'est clair. C'est clair et net que c'est pas une fusée, hein. Ah, tu vas pas le faire décoller à Muroblast, hein. Tu vas pas te tromper, hein. Mais bon, moi j'aime bien son style, vraiment. Je suis un peu déçu qu'ils aient parmi le 4 de Mudrunner. C'est pareil, le 4 de Mud, il est stylé de dingue. Vraiment, sa remorque et tout, il est hyper classe.
Et comme je disais, par rapport à cette mission de merde, dans MudRunner, t'as un défi qui s'est rajouté avec American Wild. Un défi où en fait tu es sur une mini-map. Parce que chaque défi te rajoute une map en plus, hein, je l'avais fait en vidéo, hein, si vous voulez aller la voir. En fait, tu as ton Aramatsu, tu as une carte, tu dois te démerder à te déplacer et tu dois remplir ton véhicule plus une remorque avec des rondins de bois et les livrer à un autre point. Seulement, les rondins de bois et ta remorque, tu sais pas où c'est. Donc, faut que tu explores un petit peu. Je crois qu'il y a des tours de guet. Tu trouves ta remorque, tu as des rondins, ils sont par terre en fait. Et tu dois prendre les rondins et charger et après les livrer. Et tu n'as pas de truc tout prêt pour charger des rondins qui sont écroulés, quoi. Et moi, je trouve ça dégueulasse là que dans cette mission, bah, ils épra là, j'adore le soleil à travers les arbres, c'est cool. Je trouve ça vraiment dégueulasse que t'aies des entrepôts qui crament à éteindre, mais que t'aies tes petits bois là qui sont bien empilés dans une zone de bois qui n'a aucune réserve, rien, ça apparaît sur un tréteau là, c'est de la merde. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve ça vraiment hyper décevant. Vraiment, je trouve, ça sent la fainéantise. C'est décevant. Allez hop, on va lui faire le plein, on va charger le deuxième truc, c'est pas bien loin au moins. Et puis on refait le chemin retour, et puis voilà. On va peut-être prendre une autre route pour aller livrer la deuxième fois là. Ah, trop loin. Va falloir que je reprenne le 57X aussi, hein. Je pense que quand je ferai les extinctions de flotte, là, je me prendrai un petit coup le 57X. Lui mettre une citerne comme ça va être cool. L'autre fois, j'ai eu les mêmes bugs que toi avec le puits à Ficus sur la phase 8. Ah ouais? Alors, je l'ai eu deux ou trois fois, à des endroits différents. Bien galère pour m'en sortir. Ouais, moi j'avais pas réussi, ça me faisait carrément cracher le jeu, quoi. C'était abusé. Et voir, il y a moyen de passer par là pour éviter les deux arbres de merde, là. Ouais, c'est juste un. Ouais. Ça touche. Ça bloque un peu, hein. Mais ça passe. Ça passe mieux qu'avec les deux arbres là qui m'ont coincé tout à l'heure. Allez, un petit coup de vitesse haute. Prends le fight, il passe bien. Lequel? Parce que le problème, si tu me parles du petit fright, on peut pas lui mettre la grosse citerne. Oh, j'avais pas vu. C'était rouge sur rouge, j'ai pas vu. Je me demandais pourquoi il avançait plus. Chier. Donne-moi ça comme c'est propre. T'as une caravane, t'as un dépôt de bois, tout est prêt, voilà, pour récupérer tes bois qu'on cramait, c'est impeccable. C'est tout propre. C'est mieux qu'au Wisconsin. Au Wisconsin, fallait quand même aller trouver les trucs par terre aussi. L'autre, pas le petit, celui que j'ai pris. Bah le 114 alors. Ouais, bah le 114 il est très bien, hein. Ah. J'ai carrément déplacé la remorque.
Et le dernier. Ah, c'est pareil, le petit Fright, j'aime bien, hein, il est quand même sympa, c'est con. Hein. Il a trop peu d'utilisation et puis trop peu d'essence, quoi. Sinon, il est plutôt sympa, il s'en sort bien. Hein. Il a une petite gueule pas mal. Tu lui mets une remorque et puis il passe pas mal. Hein. Ah, chouette. T'arrives pas à passer par-dessus? Ok. Bon bah... Ah oui, je le vois le tronc. Hein. Je le vois le tronc, mais ce qu'il y a, c'est que je passe pas, quoi. Ouais, d'accord. On va dire qu'on n'a rien vu. Ouais, le bug de collision, entre autres. Je te regarde en jouant à SnowRunner en même temps, je me suis couché avec ce foutu Derry, j'en peux plus. Après, faut voir ce que tu lui mets. Tu lui as mis la suspension active, vaut mieux éviter. Hein. Tu lui mets les MHS2, tu lui vires la suspension active, le meilleur moteur, et bon, après, un accident est vite arrivé, hein, mais normalement, tu le retournes pas trop. Ah, je l'avais retourné parce qu'il y avait un bug dans le sol, je percutais le sol et du coup il se couchait suite au choc. Donc j'en avais couché deux l'autre fois au même endroit. Et en fait en regardant c'est parce que je tape dans le sol, j'ai la suspension active. Il rebondit et du coup bah vu qu'il est plus que sur des roues parce qu'il a rebondi, il se couche sur le côté. Moi je joue après le live, c'est moins dangereux. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Il est quelle heure? 19h08? Ouais. Je sais pas trop si j'ai envie de faire le sismique aujourd'hui du coup. Je sais pas trop, il est déjà tard. Après je sais que j'ai commencé tard, mais je suis pas en super forme. Quelle heure? Ça fait combien de temps que je suis dessus? 2h06 plus les 26 minutes, là c'est pareil, il va falloir que je mette ça en ligne. Je sais pas comment je vais foutre, ou alors il faudrait que je les colle ensemble en les téléchargeant. Et je sais pas la qualité que ça va avoir à la fin. Hein. Faudrait que je regarde. Si je télécharge les morceaux puis que je les colle l'un à l'autre. Viens voir par où est-ce que je passe. Ouais, j'avais dit que je tenterais peut-être... Il y a le chemin sur les cailloux là, ou alors il y a le chemin dans la flotte. Ouais. Bon allez, on verra lequel je prends. Bah, je vais peut-être arrêter après ça. Je vais peut-être arrêter, ça évitera que j'ai des bugs de soirée et de live là. D'ailleurs c'est pareil, j'ai voulu foutre en ligne l'épisode là d'hier. Ah il était quoi? Il était 4-5 heures du matin, tout YouTube avait toujours pas fait depuis la fin de mon live la conversion en 720p quoi, putain. Je sais pas qui fout la merde si c'est Twitch YouTube mais si ça commence à mettre limite 24 heures pour faire la conversion en 720p
Vu la taille des vidéos, il y a un moment où il faut arrêter, quoi. Allez, Oïs. Oh, tu m'emmerdes. Je vais pas y aller. Que j'avais plus d'élan que ça. Bon, il est chargé quand même, hein, mais. Il y a quand même des camions qui en feraient pas autant. Hein. Donc, la Ramatsu, il est peut-être lent, mais il est quand même balèze. Hein. Salut, monsieur Catréal. Bienvenue à toi. Monsieur Catrel? Eh, mais c'est pas possible, pourquoi tu recules, Gadjo? Ça a pas l'air assez incroyable ce que je te demande là. Allez. Bon, du coup, j'ai pris les rochers. Bon, on verra. Je sais pas trop ce qu'elle donne cette remorque, elle a l'air plutôt stable. C'est ce que j'avais dit, hein. Il y a des modes de remorque, des fois ils sont super stables, des fois ils le sont pas. Wow, elle était bien penchée quand même. Hein. Ouais, je vais arrêter, puis je vais vous faire peut-être le. Je vais peut-être vous faire la vidéo sur les meilleurs modes, comme ça sera fait, puis je vais essayer de vous la poster dans la foulée. Ouais, après, il va falloir le temps de l'uploader. Hein. Vu que ça va une cap... une... Là, vu que ça va être une capture dans le jeu. Ça va prendre un peu de place, donc l'upload va être assez long. Ouais, bah je sais pas qui c'est, mais je suis pas là. Je suis pas là. Je suis toujours pas là. Il recule car tu passes les vitesses en montée. Non, je passe pas les vitesses en montée, j'étais en haute. Il me semble que j'étais en boîte haute. C'est juste qu'il était en train de caler, du coup il a arrêté d'accélérer quoi. Merci pour ton follow, monsieur Catrel. Bon, je sens que je vais dû supprimer la remorque et puis je vais me téléporter au garage. J'ai pas envie de me traîner comme ça jusqu'au garage pour ramener une remorque. J'ai pas vu combien elle coûtait, mais ça risque de me saouler un peu. Ah, d'accord, ok. Merde, du coup j'ai ralenti. On repart. Excusez-moi, je regardais un truc. Ouais, je vais livrer ça, puis je vais arrêter. Ah, c'est vrai que le 4 du premier jeu, il était stylé. Il me semble que c'était quand même pas la même gueule. Il avait beaucoup plus de. Il n'y avait pas de cabine tournante, mais il n'y en avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de cette connerie qu'ils se sont amusés à mettre, sérieux. Ok, c'est stylé, ça doit être sympa en vue. Enfin, c'est sympa en vue intérieure. Même si des fois ça tourne trop, ça fout la gerbe.
Mais franchement, est-ce que ça va lui coûter de s'emmerder à développer un truc aussi compliqué? Je sais pas. Hein. C'est vrai que je sais pas quel moteur il a, mais il est pas rapide. Hein. Bon, là encore, je suis chargé, c'est un peu moins décevant, mais. Voilà, la cabine qui se tourne. Tiens, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Regarde, ce sont des troncs courts. Non, ce sont des troncs moyens. Les troncs cramés. Alors, je sais pas trop s'ils ont une bonne longueur. J'ai pas trop vérifié dans celle-là. Il y en a un peu moins déjà dans la remorque, ça c'est sûr. Bon, après, le poids a l'air d'être là. Hein. Et je voulais le même style que la Ramatsu pour faire un peu joli, mais bon. Je l'ai pas non plus foufou. Hein. C'est sympa, mais bon. La remorque est pas en mode dolly, donc ça c'est pas mal. Déjà, elle est plus facile à manœuvrer. Mais c'est pas dingue, quoi. Ouais, elle est un peu plus petite, mais elle est pas non plus si petite que ça. Hein. C'est surélevé sur la Ramatsu déjà. Hein. Donc quand tu regardes, au final, elle est pas non plus si petite. Hein. Il n'y a pas le trou pour la grue. Elle est un peu plus, elle est beaucoup plus basse du coup. Elle a des plus petits trous, c'est dommage. Il aurait dû mettre des roues de la taille de la Ramatsu, comme c'est sûrement prévu pour aller avec. Je pense pas qu'on puisse la mettre avec un scoot, c'est une remorque de camion, je crois. Et puis voilà. Ça va être fait. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. J'aurais bien fait plus, mais il est déjà tard. D'autres trucs à faire. Si tu peux lui mettre un scoot. On va regarder, je vais me téléporter au garage, on va voir, mais ça m'étonnerait. Hein. 8 400 balles. D'accord. Détacher, supprimer. Allez hop. C'est pas grave. On récupère, on va aller aider ça. Bah le F750, oui, il prend. C'est pas un... Ah, tu veux dire, on peut lui mettre puisqu'elle fait 750, d'accord. Effectivement, effectivement. Mais ça manque un peu de... Sur les 750, ça manque un peu de style, quoi. Bon, celle-là, elle irait peut-être pas mal, mais... La remorque de rondin moyen habituel, ça va pas terrible. Oui, j'arrive, je sais ce que c'est, j'arrive. J'arrive. Je sais pas si j'ai des nouvelles remorques avec ce que j'ai mis en mode. Une petite remorque Pogrim. Ça aussi. Ouais, c'est tout. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus, mais... Et du coup, si vous vous rappelez, je vous avais dit que le Hummer avait été pété au niveau couleur. En fait, les barres de toit et le contour de benne est de la couleur carrosserie à cause d'additional paint job. Je vous remontre. Si vous mettez la couleur de base, on a bien le noir sur le toit et le contour de benne. Et dès qu'on met une couleur, hop, ça colore tout. Et à mon avis, c'est à cause que justement, il a rajouté des triples couleurs et que bah, certaines, il prend le noir, quoi. Et il y en a d'autres, il prend trois couleurs, voilà, avec autre chose, non? J'en ai pas là? Si, c'est à la fin qu'il y en a trois. Voilà, ça fait des trucs un peu dégueulasses. Voilà, c'est vraiment dégueu. J'aime pas du tout. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, les gars, je vous laisse pour aujourd'hui. Normalement, on se retrouve pas avant lundi. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon app. Et puis, à la prochaine. Bon week-end. Allez, salut.